24 heures du Mans, la plus grande course automobile d'endurance du monde. Verrons-nous cette année les 200 km/h de moyenne? Deux marques sont en lice. Ferrari, le champion inamovible. Ford, le géant américain qui va tenter de s'imposer à ses dépens. La première séance d'essai a été contrariée par une violente tempête. Mais le vendredi soir, le vent s'était calmé et cela a permis de battre un sensationnel record du tour. Et nous voilà le samedi. Il est 15h55, dans 5 minutes le départ. 51 voitures sont alignées le long des stands. Leurs pilotes sont debout de l'autre côté de la piste. Avez-vous déjà roulé à 300 à l'heure? Montez dans le cockpit d'une Ford GT. C'est Maurice Trintignant qui vous conduit. Je passe environ à 5500 tours devant les tribunes, ce n'est pas environ, c'est exact, et c'est à la vitesse à 270 à ce moment-là. Je soulage légèrement pour la courbe dans l'aube. Je réaccélère de nouveau dedans pour permettre l'adhérence de la voiture. Et je vais passer sur la petite bosse, vous allez entendre un petit coup. Hop, la voiture a décollé ce moment-là, je lève le pied maintenant, je rétrograde, troisième, je tourne en deuxième, voilà, dans les S du tapis rouge, sortie du tapis rouge, aussitôt troisième, voilà la troisième, maintenant je vais lever le pied, freiner, rétrograder sur la deuxième, pour prendre le virage à droite du tapis rouge, où je suis maintenant, je l'ai terminé, donc à la reprise, troisième, et j'attaque la grande ligne droite de Zinodier jusqu'à Mulsanne. Quatrième. Voilà, la voiture est une toute chaude. Le régime est monté plus vite. Et je prends les stands. On est à cinquième. Voici la cinquième. Dans un petit moment, environ dans un kilomètre, je vais lever le pied d'accélérateur pour faire refroidir. Pour permettre à lui de monter un peu sur la soupape. Et maintenant, nous sommes à 6000 tours. Et la vitesse est aussi grande que 310. Et maintenant, continuons dans la Cobra de Jo Schlesser. Conduite intérieure, celle-ci, mais un moteur identique. Je repars, 5500 tours en première. Je repars. Deuxième. 5008. Troisième. Quatrième. J'arrive dans les grandes courbes avant Maison Blanche.
maison blanche. À 5800 tours en troisième. Correspond à peu près à 220 à l'heure. Vous allez connaître le bruit du 12 cylindres qui a enlevé la course. C'est Masten Gregory qui vous conduit. Bon, c'est premier. C'est deuxième. C'est troisième maintenant. C'est le virage de Dunlop. This is the top of the hill in fourth gear. Down into second for Tête Rouge and the S's. Keep to the left. Second gear.